Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Magic Duels Origins. Et oui, nous sommes repartis. Alors, il me semble que nous n'avons pas encore fini Chandra. Et nous allons directement partir. Tout peut changer si vite. Les autorités de Kaladesh prennent le village d'assaut par surprise. On n'a rien de temps. Votre père est mort. Le village est en flammes. Et Baral vous tient pour responsable de son son lieutenant s'avance pour vous faire prisonnière. On va se le faire, il va brûler, il va cramer, il va mourir. Je pioche. C'est moi qui commence. J'ai de quoi jouer en 2, 3 et 4. Je garde la main. Hop là, on met un terrain tout de suite. Il met une plaine. C'est à mon tour. Je mets ça. Je mets ça. Et on attaque tout de suite. On va tout de suite lui faire des dégâts. Au plus tôt on commence, au plus on a de chance de pouvoir le finir. Alors, nous avons l'élémental de fiel feu qui pourra faire bien mal aussi. 3 de réputation. 1 et les vandales maniaques qui eux peuvent servir à casser. On ne peut pas attaquer ou bloquer à moins que son contrôleur ne paye 3. Ok. Et ben j'en connais une qui ne va plus bouger. Qui va potentiellement servir de sacrifice si j'ai une carte qui demande un sacrifice. Un brasier. Ok. Hop là. Mais toi, vous avez de l'artefact, s'il vous plaît. On va te mettre, pour le moment. On va garder l'autre. On va garder l'autre pour... si je fais ça, hein. Alors, ceci... Oh. Ça, ça fait que... Ouais, je vais rien pouvoir faire, alors je passe l'attaque tout de suite. Autant gagner du temps comme on peut... Mais en tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Hein, moi, ça va super. Je retourne... Hein, chouette. Je reviens sur Magic après un autre jour de pause. Hein, j'ai filmé toute une série l'autre jour. Hop. Alors. Je vais être obligé de faire ça. Parce que si je fais ça, il va bloquer avec elle. Elle va taper d'abord et donc elle va mourir. Ce serait dommage. Ou bien ce... Qu'est-ce que je... Non. Non, de toute façon ça servira à rien. Donc oui, je vais être obligé de faire ça. Je peux jouer toi, mais je vais être obligé de faire ça à un point. Sur toi. C'est du gaspillage, c'est vraiment du gaspillage. Mais si je veux pouvoir attaquer et faire encore des dégâts, eh ben je suis obligé de la détruire celle-là. Parce que voilà, le gros problème c'est que avec son initiative ici, elle tape d'abord, mais sa vigilance c'est elle s'engage pas pour, pour attaquer. Donc elle est toujours là pour bloquer et elle tape d'abord. Elle a 2 en attaque. Donc, voilà. Un exil, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Jusqu'à la fin. Chouette, il va exiler ma 2-2. Parce que la 1-1, elle est hors service. Alors, hop. Une 5-4. On va la mettre elle. On va bien voir comment ça se passe. Alors. Ah oui, phase d'attaque. Mais je peux pas attaquer avec elle parce que je dois payer 3. Il met un cinquième terrain. Bah tiens, peine de prison. Elle ne peut ni attaquer ni bloquer. Voilà, donc j'ai
Tout à fait compris le style de deck, c'est un style très chiant. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire, vous pouvez attacher ça. On peut. Donc il aura le choix. Soit. Vas-y, attaque-moi. Bien, super. Je suis très content. Pourquoi je suis très content? Bah, parce que bah, de toute façon, je peux pas bloquer. Je dois payer pour bloquer et j'ai pas de quoi payer. Hop là. Et j'ai. Inflige deux blessures. Oh, qui me coûte tout de suite. Ah là là, comme par hasard, hein, à peine commencé et hop, tout de suite. Alors, donc, ici, inflige deux blessures à une créature ciblée. Qui en dessous? Ah oui, en dessous, j'ai un. Donc, moi, ce que je vais faire ceci. Alors, il ne change pas. Ok. Je vais griller elle. Voilà, très bien. Et donc je récupère ici mon Vandal. Et je vais attaquer avec toi tout de suite. Est-ce qu'il me fait quelque chose en éphémère? Je ne crois pas. Et je lui fais 14 et ça devient une 4-3. Ça c'est bien. Alors, vigilance. Les autres soldats que vous contrôlez gagnent plus un et ont la vigilance. Elle, faudra la détruire assez vite. Quand il arrive sur le champ de bataille, mettez sur le champ de bataille 3 jetons de créatures 1-1 blanche soldat. Va vraiment falloir la buter vite. Alors. Pif paf pouf, hein. Là, il a 4 créatures. Comment pouvoir la buter celle-là? Ouch. Ok, je voulais juste tester et en gros, ben voilà. Alors si j'envoie celle-là, il va bloquer avec 2. J'envoie celle-là aussi, il va bloquer avec la troisième. Ben c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc là, il n'aura plus de. Il n'aura plus de jetons normalement. Ah non, tiens. Ah, sur ce coup-là, il a été assez con. Non, pardon, autant pour moi. Autant pour moi. J'ai parlé un peu trop vite. Ben ouais. Hein? Je me prends. Pourquoi il a pas attaqué avec la dernière? Sur ce coup-là, il a été très con. Ben ouais, ben je me prends. Je me prends 7. Je peux pas bloquer. Oh tiens! Une patrouille veille nuit. Tu ne m'avais pas manqué. Allez, s'il te plaît, une bonne carte. Merci. Alors. Bon, que faire? De toute façon, à ce niveau-là, j'ai à peu près perdu. Te faire entrer toi. Et je ne vais pas attaquer parce que là, à ce moment-là, il peut. Et il va bloquer avec elle. Il va taper avec elle. Il va taper d'abord, donc je vais perdre mes créatures. Donc voilà, je suis encore bloqué. Bon. Alors, comment faire?
Je crois que c'est un peu foutu pour cette partie. Le deck là, le deck rouge, il est vraiment pas bon, je trouve. Quand un truc lourd arrive sur le champ de bataille, engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Lololol. Deck soldat est vraiment pas mauvais. Ok. Alors, toi, sur toi. Et je te bloque aussi avec toi. Il me semble, et là, la vigilance, elle n'a pas l'initiative. Donc, je confirme. Oui. Et je suis à 4 points de vie. Tout va bien. On fiche 2 blessures à la créature ciblée. 4. Ah non, j'inflige 3 blessures. J'inflige 3 blessures. Il me reste 4 PV. Si j'attaque avec toi, je vais faire un test. Je vais attaquer. De toute façon, soit ça passe, soit je suis mort. Donc voilà. Attaque avec toi. Alors, soit il bloque pas aussi. S'il bloque pas, de toute façon, j'ai perdu. Attaque. Bloc. Ok, alors là, il va bloquer avec ces trois-là. D'accord. Alors, est-ce que j'en grille une? Non, si j'en grille une des trois, je ne peux pas griller celle-là. Et je vais perdre. Moi, je voulais te griller toi. Parce que la 3-4, je ne peux pas la vaincre comme ça. Ah ben tiens. Bien entendu. Bien entendu. Bon. Ça a rien d'aller plus loin, hein. On va la refaire. En attendant, je regarde qui c'est qui. Bref. Hop, on a déjà lu. Oui, on affronte le lieutenant. Allez, en avant. Terrain, terrain, terrain. Une nouvelle main, s'il te plaît. Terrain, terrain, terrain. Que le truc qui coûte cher. Ça peut être pas mal. Trois terrains. Bon, bah, on va garder cette main-là. Hein. On n'a pas trop trop le choix. Je redémarre une partie et ça fait un nouveau popotch. Alors, toi, tu fais X à une créature et s'il y a deux ou plus éphémères au rituel, tu fais le même X au joueur. Ah tiens, coucou toi. Bonjour. Bonjour, à chaque fois que tu lances un sort, je mets un élémental dessus. Est-ce que tu veux que je vienne jouer avec toi? Oui. Alors. Ensuite. Vas-y, mets un petit enchantement, un petit éphémère. Un petit artefact, pardon. Oui, viens, attaque. Vas-y, tape-moi dessus. Je suis plus à ça près. Je commence un peu à avoir l'habitude. Ah tiens! Copain! Alors pourquoi copain? Parce que. Copain, copain, copain! Pif paf pouf! Et maintenant, j'attaque! Je confirme.
Oh putain. Ah là 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 là, il m'énerve. Et hop, maintenant il va déclarer ses bloquantes. Oh, il y en a une qui bloque. Oh là là, elle va se... J'ai envie de me pendre. Alors. Phase d'attaque, tu viens attaquer, tu viens pas attaquer. Vas-y, fous-moi la paix. Hop. Ça, c'est du gaspillage pour le moment, mais c'est bon de l'avoir. Là, je te fais rentrer toi. De toute façon, je peux pas attaquer avec pour le moment, mais oui, je te fais rentrer toi pour le moment. Ça, au prochain tour. Non, j'attaque pas, non. Comme ça, au prochain tour, je vais pouvoir attaquer. Selon ce qu'il va jouer maintenant. Il ne joue rien. Il attaque pas. Ah, pendant votre tour, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ou activer capacité d'artefact ou de créature ou d'enchantement. Ok. Pas de soucis. Alors, vous voyez, je vais faire 3 et je fais 1, 2 et 3. Pif, paf, pouf, tu brûles. Attaquer et attaquer. Alors, sauf s'il a encore un de ces machins qui fait popper deux soldats 1-1. Voilà, normalement il bloque là. Voilà. Ok, alors un terrain en plus. À ce niveau-là, il a un peu du bol. Machin, là 3-4! Coucou 3-4! Oh là là! Engage une de mes créatures qui n'est pas encore engagée, s'il te plaît. Mon Dieu! Elle est engagée! Oh là là! Je mets toi. Je fais toi. Ça fait boum! 4 dans tes dents et boum! 2 dans les tiennes. Et maintenant, j'attaque avec tout! Voilà, c'est bien, ça commence à se nettoyer un peu. Ça, c'est déjà beaucoup mieux parti que l'autre. Maintenant, je continue à toucher du bois pour que ça marche. Oh. Ah, quoique, à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, sous le contrôle d'un adversaire, vous pouvez attacher peine de prison à cette créature. Mon Dieu, mon Dieu! Hop, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attacher à peine de prison à cette créature? Non? Ah ok, bah j'attaquerai juste avec toi alors. J'attaquerai avec ma 5-4 juste après. Enfin, au tour suivant. Et vu que je commence à avoir un peu de mana, je vais pouvoir lui faire des dégâts à lui aussi avec ça. Ah tiens, t'as plus de cartes en main. Oh, ça c'est bon à savoir ça. Très bon à savoir ça. Ce sont les éphémères. Je préfère me les garder pour le moment. Là, il me faut juste. On va attaquer. J'attaque avec ça. Va attendre le tour prochain, on garde le doigt. Oh mon Dieu, un terrain. Oh là là, j'ai perdu. LOL. LAULE. Oui, j'écris LOL comme saut. Et... Tu veux que je joue l'autre? Oh ben allez, ouais, on va jouer l'autre, hein. Autant en profiter. Il a plus de carte en main. Et on attaque. Et mort. Et ben voilà.
À chaque fois que je réussis pas un truc, il faut que je le tourne. Et là, ça passe. Ça, c'est super. C'est cool. Donc, je l'ai battu. Vous vous battez courageusement pour venger la mort de votre père. Mais les soldats sont bien trop nombreux. Votre mère perd aussi la vie pendant la bataille. Baral cherche à faire de vous un exemple. Les autorités vous ramènent en ville afin d'y être exécuté. Non. Eh ben, on a réussi. On a réussi. On les a fracassés, ces soldats. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, hein. Vous voyez que je réussis pas toujours. Habituellement, ben, quand je réussis pas, ben, on va dire que je coupe la vidéo et j'en refais une. Hein. Voilà, je suis honnête, je suis tout à fait honnête avec vous sur ce coup-là. Ça m'arrive plusieurs fois, ça m'est arrivé plein de fois. Celle-ci, je crois que j'ai dû essayer 3-4 fois avant de sortir cette vidéo aussi. Donc, avant d'avoir encore un essai en plus, avant d'avoir réussi. Donc voilà. Il suffit d'avoir une bonne sortie avec de quoi contrer ce que l'adversaire sort, et ça passe tout seul, c'est pas mal. Mais en tout cas, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu, hein. On oublie le pouce rouge, ça sert à rien, mais massacrez le pouce bleu, ça c'est toujours sympa. Ça ne vous coûte rien, et moi ça m'apporte un sourire en plus, voilà, pour être tout à fait honnête. Je peux aussi vous proposer de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, hein, de me suivre sur Twitter, hein, sur le nom de JenkinsNizuma, comme pour la chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, si vous avez envie. Si vous avez envie, hein, tout simplement. N'hésitez pas à parler de moi. C'est grâce à vous que les gens regardent de plus en plus ma chaîne et que vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vous en remercie. Et en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de matinée, après-midi, journée, soirée, nuit, quel que soit le moment où vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao!